Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je vais vous expliquer l'utilité du mur. Donc pourquoi utiliser le mur? Donc comme je reste toujours ces entraînements chez soi, que ce soit pompe, abdos, renforcement musculaire, je travaille de manière à travailler chez soi avec le peu de moyens qu'on a, sans salle de musculation et sans appareils spéciaux comme sac de frappe, sauf quand je vais en Martinique où j'ai mon matériel. Mais quand on est plus dans un appartement plus petit, donc tout ça je vais vous expliquer comment travailler les comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, développer vos vis de la rue et comment travailler les crochets serrés, toujours les crochets serrés ici, et comment les travailler pour éviter de donner des grandes guillotines. Donc comme je disais, ça peut ralentir le coup et donner moins de puissance. Donc toujours rester sec, petit, et venir avec des petits mouvements ici pour travailler. Donc voilà, donc c'est parti pour les premières explications avec le travail du mur. C'est parti. Court, comment travailler court et efficace? Donc comme je vous ai dit, un bon boxeur peut se débrouiller dans un ascenseur, dans une cabine téléphonique, dans tout ça. Je m'inspire bien sûr de Rick Hans. Donc le travail du mur, un tout simple, tout blanc, tout propre, on va travailler nos crochets. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler court. Donc quand je vous dis on fait notre shadow, toujours rester relâché. On vient faire notre shadow. Et pour le crochet, ça vient tout simple. Ça vient vraiment tout petit. Donc on doit rester dans la base, petit mouvement. Donc comme je vous ai dit, une prise d'appui pour donner un coup, une rotation pour le crochet. Donc ici, donc on va travailler ici la technique de base. Donc venir ici, un pied devant, hypercute, rotation, crochet, hypercute, crochet. Toujours travailler la rotation de la jambe. Donc venir très important, pivoter sur la jambe pour travailler le crochet, venir visser. Donc en bagarre de nous, on n'aura pas besoin de visser. Donc venir donner le coup comme ça et toujours venir prise d'appui. Voilà. Et après, quand on a bien travaillé tout ça, bien un pas, un coup. Donc quand on vient travailler à vitesse normale, ici vient travailler son shadow, ici venir travailler, bim bim bim. Donc pour travailler le mur, on vient travailler au début traditionnellement, on vient travailler traditionnellement le crochet, sans lever le coude, avec le corps, et venir taper, venir donner le crochet, boum. Donc venir pour la bagarre de rue, venir toujours travailler proche du mur. Donc toujours rester dans le système cloisonné, petit coup, simple et efficace, mais rester cloisonné. Donc on est là, bam bam bam, venir ici, bim, lâche, bim sec, bim 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 bim. Si le coup touche avant, c'est pas bon. D'abord travailler le corps, d'abord la rotation, et après venir ici travailler, bam. Et enfin, je prends l'autre partie du mur pour venir travailler le crochet. Donc toujours, ça part de l'appui. Donc pour venir travailler proche du mur, donc ça m'empêche pas d'envoyer des coups secs. Proche du mur, efficace, bam, avec la rotation, des petits coups secs, comme ça, comme bagarre, on pourra être efficace, petit, au lieu d'envoyer des grandes guillotines, des grands gestes, toujours rester petit, cloisonné. Donc on est là, on part du principe qu'on est près d'un mur, et là, bam, 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 on travaille la rotation petit, moins visser les coups, hypercute, moins visser les coups et tout ça. Ma vidéo, donc merci de l'avoir visionné. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, bien sûr, si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner ici tout de suite sur ma chaîne et venir regarder mes autres vidéos sur mes playlists. Donc, merci encore pour les abonnés. Continuez à me faire la pub et je vous souhaite à très très bientôt. Le prochain thème sera sûrement sur la prépa physique. Donc, voilà, renforcement musculaire, dorsaux, pectoraux, tout ça, tout ce qu'il faut travailler pour après. Et aussi le musclage des jambes. Donc, voilà, ciao ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et enfin, je prends l'autre partie du mur pour venir travailler le crochet. Donc toujours, ça part de l'appui. Donc pour venir travailler proche du mur, donc ça m'empêche pas d'envoyer des coups secs. Proche du mur, efficace, bam, avec la rotation, des petits coups secs, comme ça, comme bagarre, on pourra être efficace, petit, au lieu d'envoyer des grandes guillotines, des grands gestes, toujours rester petit, cloisonné. Donc on est là, on part du principe qu'on est près d'un mur, et là, bam, 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 bam. On travaille la rotation petit, moins visser les coups, hypercute, moins visser les coups et tout ça.